ou c'est notre sommeil profond sur le plan spirituel qui fait que même quand le réveil sonne, on ne l'entend pas. Pendant que tous qui avons des smartphones aujourd'hui, nous avons nos réveils dans nos téléphones. Et quand nous devons aller au travail ou à un rendez-vous quelconque, nous mettons notre réveil pour que, quand le réveil sonne, que nous puissions être opérationnels. Pour que les choses ne nous tombent pas sur la tête sur un plan humain. Donc, être à temps à son travail, à l'école, à l'université, à un rendez-vous, voilà. Donc là, on est actif. Mais sur le plan spirituel, nous avons aussi un réveil. Mais que très souvent, nous faisons mine de ne pas l'entendre. Donc même ce qui est sonné, t'obéter au carré parce que t'as les fatigues. Ah. Ce que j'ai rendez-vous à Moussala, tu te dis que bon, je suis fatigué, La personne, de toutes les façons, a toujours besoin d'employés. Donc, je ne suis pas pressé. Et ainsi de suite. Donc, dans toutes les circonstances spirituelles, donc, comme je dis, la Nenga Molim, Ozoluka Moussala, Ozoluka, Ogakatoluka. Donc, on reporte à la fin du mois, propriétaire a eu qu'on sonne là, on apporte à la bille loyer. Mais en fait, tu as fait tout un mois, tu n'as pas travaillé, tu n'as rien fait. Et quand le propriétaire va venir pour te réclamer son loyer, aucun mois. Voilà, c'est juste une illustration pour montrer un peu nous, les Kimbanguistes. Voilà, quand les choses nous arrivent, quand les choses nous tombent sur la tête, on est choqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, le Kimbanguiste. Je vous dis souvent une chose. Connaître Dieu, c'est une chose. Le servir en est une autre. Conséquence. On connaît Dieu, mais nous ne le servons pas comme il se doit. Je parlais avec une personne tout à l'heure qui m'a fait voir que depuis ce confinement, voilà, c'est les prières, c'est les chansons. Voilà. Hein? Donc tout le monde, hein? Pratiquement, tout le monde montre vraiment qu'il y a un certain niveau spirituel parce que on s'est tous connectés, YouTube, Maloba Papa, donc voilà. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit, Koyoka Papa? Donc c'est comme si, voilà, c'est comme si on allait chez un masseur et qu'on va se faire masser pour nous détendre, pour prendre du bon temps. Voilà. Maloubaïba Papa, comment est-il? Voilà, une thérapie. Voilà, quand j'écoute ça, ça m'apaise. Ah, vraiment, Papa Zanzambe. Ah, Papa Lobakia. Et c'est vrai, Papa a dit des choses, mais nous risquons de passer. Malgré toutes les choses que nous avons pu entendre, nous n'en avons rien fait au fait. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que tu yo ki maloba ya ba papa, mais tu sali yango nini. Voilà, bana papa, c'est moi qui demande. Ma jeune, qu'avons-nous fait de leurs paroles? Tu yé bin zambe, le papa, au stade, l'obéli à rouler ce soir. Qu'avons-nous apporté à l'humanité? Il y en a un jeune kimbanguiste, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous apporté? Voilà
ce que ce confinement, ce que cette crise sanitaire et spirituelle aurait dû ou bien devrait nous emmener. Au regard de tout ce qui se passe dans le monde, parce que en dehors de cette crise sanitaire, ce n'est pas pour autant que les guerres se sont arrêtées. Ce n'est pas pour autant que la famine s'est arrêtée. Ce n'est pas pour autant que les gens ne meurent plus de la malaria. Donc le mal est bien là. La souffrance est bien là. Mais il y en a qui m'ont dit. Sur un plan, je dirais même plus spirituel. Parce que tu es toujours solo là, c'est parce que voilà. Tout ça, c'est que tu as préparé ma smartphone, tu sais, envoyer les mots de passe, les codes pour les identifier. Voilà, donc c'est le physique qui a joué un rôle pour nous permettre de parler de notre santé spirituelle. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, il y en a qui m'enregistrent. C'est notre inertie. C'est notre inaction qui a fait que le monde soit dans cette crise. Donc, pas seulement par rapport au coronavirus, hein, mais on voit tout le mal profond qu'il y a. Que même quand, sincèrement, je devais même publier quelque chose là tout à l'heure, tellement que ça m'agace, George Floyd, les Kimbanguistes, nous sommes choqués. Voilà, vous allez peut-être dire, un hein, toi Marteau, oui, je suis toujours dans mon monde. Mais voilà, quand je vois que les gens publient que le noir n'aime pas le noir, que vraiment Mundell est le racisme, pour moi, c'est encore une autre forme de distraction. Voilà, on se réveille, on s'étonne. Mais le noir n'aime pas le noir, mais attends. Toi-même, Kimbanguiste, tu n'aimes pas ton frère Kimbanguiste. Qui était censé apprendre au noir? Qui était censé apprendre à l'homme noir d'aimer son prochain? C'est qui? C'est nous, les Kimbanguistes. C'est nous qui étions censés montrer le chemin aux Noirs. Mais si déjà moi, Marteau, je n'aime pas mon frère Kimbanguiste, comment j'espère que le Noir va aimer son frère Noir? Voilà. Donc moi, quand j'étais que là-bas aux États-Unis qu'on est tué. Oui, c'est triste parce que bah, le pauvre. Mais après. Et après. Et après, qu'est-ce que nous allons apporter au peuple américain? Nous sommes censés leur donner le goût de rentrer en Afrique. Déjà, toi et moi, Kimbanguiste, voilà quoi. Qui d'entre nous est prêt à rentrer au pays juste, voilà, pour réaliser les prophéties de Papa Simon Kimbangu? Je ne pense pas. Parce que justement, nous n'avons rien apporté. Donc, n'attendons pas un changement dans le monde. N'attendons pas que l'homme noir va retrouver ses lettres de noblesse. Non.
N'attendons pas cela. Car toi qui m'enlistes, c'est toi que papa Simon Kimbangwa a choisi. Je vous ai toujours dit une chose, que nous sommes l'échantillon kimbanguiste. Nous allions échantillon, il y a race noire. On nous a basé à bon ici. Pour n'attendre là que sa différence. Pour qu'on puisse apporter de l'espoir à l'homme noir. Mais voilà. Total échantillon. Même quand tu vas dans une parfumerie, on te donne des échantillons. Mais si l'échantillon sent mauvais, qui va être tenté d'acheter le parfum? Personne. Et ça, c'est nous les Kimbanguistes. Voilà, Floyd, 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 oui, mais Kimbanguiste, tu es où? Tu espères quoi? Voilà. Donc ça, la ligne, ah, tu es bon de là, papa, ah, moutoumouindou, ah, ngaye. Et après, voilà, ben, papa, c'est moi qui me bango. Soit ma papa, bazali, banzambe, soit bazalaki, ba escroc. Kimbanguiste, nous devons nous assumer et nous affirmer en tant que des Kimbanguistes. C'est bien beau de prier. Je vous dis souvent cette chose. Les musulmans prient, les catholiques prient, les francs-maçons prient, les gens de Troyes prient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, voilà. Nzambe Aya. Oui, mon fils, que veux-tu? Mais en dehors de cette formule, hein, c'est comme si j'ai une carte bleue, mais je n'ai pas d'argent. Où est l'intérêt que j'aille chercher un distributeur? C'est bien hein, d'avoir un compte bancaire. Tu as tes relevés, tu as tout ce qu'il faut pour que tu aies ton compte. Mais après, si tu n'as rien, ton solde est toujours négatif. Mais c'est normal que quand tu mets même ce côté code, comment on a wana moins 10. Moins 10 euros. Donc, il y en a tous déjà dans Nyonga, papa, c'est moi qui m'en. Alors, nous espérons que non, il va nous servir ou il va nous donner. Mais il va nous donner par rapport à quoi? Donc, ça, l'inni, n'y a pas de papa, c'est moi qui m'en appelle ça, du soudain, n'a pas de papa. Donc, tu as 6 mois, il y a Beko. Tango Bimikune, pas poster, Azak a pu bien couper sa pas Blanchard Mbotete. Mais tout le bien, tout est Beko, tout est Kamba, tout est Église. Ou en est combien, Kocho la moulim au centre, ou bien papa se moque. Voilà. Na tango wana tokomi nde kotyola moli mosantu. Tyola no tata nzambe tyola ye okoki kolimbisama. Tyola kolo yesu okoki kolimbisama. Moli mosantu kolimbisama te. Bolimbisi ezali te. Ba jeune tozali espoir de l'église. Nous sommes l'espoir de cette église. Oyo et tomba ezali, molimo. Il y a molimo, il y a Satana na Nzambe. Satana ezali yo. Satana ezali ngai.
Nzambe toujours le kamumoko. Moi, je ne m'assois jamais sur mes acquis. Je vous ai toujours dit une chose, que ce que Papa Simon Kiangani a fait, moi aussi, Marteau, je peux le faire. Je ne suis pas meilleur que lui. Et quand j'ai vu que, oh, Papa Simon aussi peut faire ça. Toucher aux paroles sacrées des papas. Waouh! Mais qu'est-ce que j'ai de plus que Papa Simon? Qu'est-ce que j'ai de moi? Donc, c'est à partir de là que nous avons commencé à bander, qu'on a bandé, qu'on a tué Bango sur un autre piédestal pour ne pas basculer demain, pour ne pas être surpris. Parce que tant qu'on sale à l'écambo, on dit maté que j'allais y aller. Donc voilà, ben, papa, c'est mon vivant. Ne nous asseyons pas sur nos acquis en nous disant que voilà, c'est bon. Tout est OK. Moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Donc, voilà, moi, je parle avec Papa Simon Kimbang ou moi, je rêve, quand je rêve de lui, Papa, il me dit, il me révèle des choses. Mais qu'est-ce que tu fais de toutes ces révélations? Voilà, voilà, Papa Simon Kimbang. Ayons le courage et l'honnêteté de se remettre en question afin que nous puissions jouer notre rôle réellement. Parce que mon qui les années n'a pas si. Moto moins de tout le monde en le soir. Aza n'a pas si. Réveil à moi, n'a pas de photo. Papa, c'est moi qui m'a tiré la bise pour n'a tout la mouka. Quelle souffrance il faut que tout le monde apprenne à tout le bail, tout le monde. J'espère que cette crise sanitaire et spirituelle qui nous a tous touchés, j'espère que ça va nous réveiller. Que une fois sortis de ce confinement, parce que jusque-là, voilà, petit à petit, tout le monde là-bas, un restaurant, mais c'est toujours nous, au niveau des assemblées, à mener les nettes à Bissot. J'ai habité mon colonie, mais on peut s'abissonger là. Que nous aurons l'autorisation. Et puis, tant bien même. Tout y en a dans l'église, dans le masque. Ma chorale est aux Alandes. Geste barrière, donc toutes ces complications. Et bien sûr, nous tous dans la foi, et tes papas là, écoute, le geste barrière. Mais non, on a un beau ténagaï. Voilà, non, on a un beau ténagaï. Parce que l'Abi Kengaya, papa, vous contaminez. Oui, effectivement, on peut voir ça comme ça, je ne veux pas te contaminer. Mais qu'est-ce qui te dit que moi, tu ne vas pas me contaminer? Voilà. Yo, hein, donc, vous contaminez, yo, mais qu'est-ce qui me dit que toi, tu ne vas pas le faire? Voilà, c'est vrai, c'est la foi. Mais yo, n'a pas besoin d'avoir ce conscient d'un papa au stand, ou bien, ouais. En étant réaliste, na seng mondele papa pe samayele na baroko. Vous me connaissez, je suis vraiment le panafricaniste, je suis vraiment le mec qui, voilà, pour nous, par nous. Donc, moto mwinda zonga na esika na ye. Mais avec tout ce qui se passe, que yo nanga kimbangiste ndé tous à l'espoir du monde. Mais sur Nathalie, que pas Blanchard a un espoir en Haïti. Il y a un espoir à pas Blanchard, mais qu'est-ce que je peux encore espérer pour l'homme noir si ce n'est que le chaos? Donc voilà, ben, papa Simon Kimbaum. Donc en étant réaliste, n'habitez pas, papa, pardon.
Parce que ceux qui le temps, parce que c'est l'Église qui va faire que l'enseignement, la discipline, notre façon d'être, c'est là où ce que Papa Simon Kimba nous fera grâce pour que nous ayons des ouvertures. Que nous ayons, comme là, notre parti politique. Que sur le plan politique, nous ayons un mot à dire et que le monde aussi nous écoute. Que sur un plan scientifique, que nos universités, avec tous les équipements, tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que l'Église investit dans nos écoles, dans nos dans nos universités. Voilà là où ce qu'on devait être aujourd'hui. Là, mes enfants, nos enfants qui finissent leurs études, mais qui sont ici en Europe, mais on les envoie en Afrique étudier dans des universités kimbanguistes. Ah, bah, donc, pas seulement kimbangu. Rêvons un peu et réalisons ces rêves. Voilà, les papas nous ont fait voir. Batalisibiso. Entre Papa Martin et Papa Michel, qui est plus spécial, qui est plus extraordinaire. Mais toi-même, déjà, tu es extra. Voilà. Tobin, c'est ce côté extraordinaire qui est en nous. Parce que tu es Binzambe. Que Knazo est batté, hein? Tu imaginais que Trump aille Banzambe. Kalakaganakibumotone, donc tu sens déjà de l'orgueil, de l'assurance. Il est milliardaire. Il est l'homme le plus puissant du monde, le chef d'État. Donc, il peut faire que non, l'élo pas marteau, hein? Nalimwako. C'est quoi yo aye banzambe. Imaginons. Pour me laisser maïda. Voilà, bah la papa se moque. Tant qu'on me laisse sous maïté. Mais yon a tout yé binzambe, bah la papa se moque. Mais l'élo, hein? Regardons, nous en faisons quoi? Ce sont les événements qui nous précèdent. Au lieu que Bisson est au précédé par événement. C'est ça que nous étions censés être. Voilà. Tokodia, coronavirus. On aurait pu précéder ça. Donc voilà, ben on peut passer maintenant. On ne sait pas de quoi sera fait demain. On ne sait pas. Parce que la monique, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, j'aurais pu chercher à faire ma fête, ma fête et ma vie. Moi, voilà, c'est quand même 50 ans. Mais je n'ai rien. Si ce n'est que oui, j'étais à la Kisangani, j'aurais voulu. Voilà. Mais j'aurais pu avoir une fête à la hauteur de la France, de l'Europe. Mais je me suis dit simplement, voilà, remis en question. Et après. Je ne sais plus combien de temps me reste-t-il pour servir mon Père, pour servir notre Dieu. Combien de temps? Bon, voilà, ben, on ne peut pas se moquer. Bon. Réveil à Moli, mais son aranango, chaque tongo, mais tout kakangote. Donc, j'espère que réveil, yo. Pour
Ma jeune Namuka. Kozelate mutumusu sayate. Prends-toi en charge. À moins que tu n'aies pas la foi, mais si tu as la foi, changer état l'Elinayo et pas y a papa Blanchard, et pas y a maman Léonie, et pas y a papa Marteau. Change ton regard. Parce que tout ce qui se passe, même au niveau de l'Église, avec toute cette histoire, même à notre niveau, les papas, c'est parce que ma jeune. Tout ce qui se dit, c'est ce que Binomokobolobaka. Écoutez pas, ben, musulman. Parce que tous autant les attaques de ton mien papa c'est moi qui m'en bats. Qu'autant les lapins marteau n'a pas nous autres. Vous avez tellement pensé ça fort que voilà quelles ont été les retombées. Le jour que vous allez penser à nous en bien, que vous autant les lapins marteau n'a molimo, vous autant lapins Blanchard n'a molimo. C'est ça que tu as là, avoir un regard spirituel. Le jour que vous allez penser fort à l'amour, vous verrez qu'il n'y aura plus de George Floyd. Vous verrez que vous allez faire ou nous allons faire et réaliser de grandes choses. Parce que donc, l'obité Borokan, c'est que non, pas Marteau Fakoufa, tellement que vous le pensez haut et fort. Pas Marteau Fakoufiko, et puis Boye Péboléli. Donc, voilà, Bana Papa Simon. Et Taléli Nabiso. Tocho la moli, mon sang tout est. Papa l'obito balinga te tokolonga. Oui, zamba kolonga ludi kikilo. Ne crois pas parce que toi tu ne feras pas partie ou tu ne verras pas règne. Bukonza papa se moque mbangu que mutumtu sa omona ngote. Aux États-Unis après la mort de Jean-Claude. Donc voilà, bana papa se moque mbangu. Voilà. Ne croyons pas que nous allons et que parce que moi Marteau la commande en haut que papa Blanchard a commandé en haut était donc Nzambé Tokoko le cannabis on peut 10 ans 15 ans 15 ans et pas Nzambé s'il veut que 15 ans pour lui ça a une seconde et que ça a une seconde donc voilà quel est mon souci nous avons fait 20 ans la crise au bientôt. Mais en fait, la crise, c'est nous-mêmes. Yonangaï, bana papa, c'est moi qui m'en nous avons tout. Yonangaï, moi, on a 26. Mais malheureusement, on est encore là en train de vous enseigner que Botal et la Bissona qui bombototé. Tout ce qui est arrivé parce que Botal et la Bissona qui bombototé. Et tout le monde, il peut tant total, il peut conséquence, non, mon qu'il y ait télémis. Moukili et Télémi. On voit là-bas la capacité de Mbango. Tout Télémi, c'est Moukili, Nandenga Yakitoko. Moukili et Télémi, parce que Zakota la Yoki Mbangiste. On voit là-bas la capacité de Mbango. On voit là-bas, jeune, l'espoir de l'Église. L'Église, l'espoir du monde. Mwana nazo senga mundele, papa pesa mundele mayele. Bazu la biso vaccin, ce qui mène, mais un traitement qui fera que nous puissions revenir avec un autre regard. Voilà. Parce que tozu mayele. Que boz à la bana, biso toz à la ba papa. Même pas ba chaise spirituelle. Ce n'est qu'un titre, malheureusement, que les gens pensent que c'est ce titre-là qui a fait que t'oses à la thé. Thé, ben, ne peut pas se
Non, les jeunes, qu'on ne vienne pas vous mentir. Qu'on ne vienne pas vous mentir. Donc, changez votre regard. Et là, c'est papa. Nous, nous sommes les bandits. Nous sommes les fidèles. Quand papa dit A, ça ne devient pas A minuscule. Non, quand papa dit A majuscule, ça reste A majuscule. Voilà, parce que je pense que on est tellement resté là à tergiverser, à, voilà. Mais comme j'ai dit, 51 ans au mois de novembre, papa Paul 61 ans, maman Marie 71 ans. Donc, nous avançons, nous vieillissons. Combien de temps me reste-t-il encore pour servir papa Simon Kimbangu? Je ne sais pas. D'où je n'ai plus le temps à perdre. Donc, il est grand temps que les jeunes que vous êtes, que vous puissiez vous réveiller, de prendre conscience de vos responsabilités pour que nous puissions mettre fin à la souffrance de l'homme noir, donc automatiquement à notre propre souffrance. À moins que vous soyez des masos, que vous aimez tout simplement la souffrance. Parce que c'est à croire que comment des gens qui peuvent connaître Dieu et qu'ils sont toujours là dans la misère, dans la médiocrité, c'est qu'il y a un souci. Donc voilà, ben, préservons notre foi parce que c'est la chose que Satan veut toucher. C'est la chose que Satan veut atteindre. Et j'aime toujours le dire que mon pouvoir sur vos personnes, sur vos vies, c'est votre foi. C'est pas que Père Marteau a un pouvoir, je ne sais pas. Non, 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 non. Mon pouvoir, c'est votre foi. C'est ce que j'avais dit, je pense déjà vous avoir raconté. J'avais dit à mes enfants, il y a plus de 10 ans, quand les résolutions ont commencé. Nous parlions de la grandeur et du pouvoir de Papa Simon Kimbangu. Oui, nous avons ce pouvoir-là. Qui fait que quand vous avez la foi et que vous demandez que vous puissiez obtenir ce que vous avez demandé, ce pouvoir-là est là. Et c'est votre foi. Si vous n'avez pas cette foi-là, quoi que je fasse, comme là, je peux aller à Troyes, je vais à Saint-Denis, Saint-Ouen, je commence à guérir les malades, ils vont dire que pas Martha Simikis. Tout simplement. Pourquoi? Parce que Azan a foi les sous-soutés. Donc, vous qui avez la foi, voilà, c'est là où commence notre pouvoir. Donc, le pouvoir de Père Marteau, c'est votre foi. Voilà, ben, on peut passer mon temps. Donc, ce qui est pas, il n'y a pas, moi, n'y a pas, tata. N'a qu'on dit, n'y a coupé ça, yo. Nzamba kupesa yo. Voilà. Donc, botia biso na esika na biso. Botale la biso na kibumoto na biso te, parce que c'est ça qui vous fait souffrir. Que ce que tu pouvais accepter chez Papa Mfumalongo, chez Papa Marteau, tu ne l'acceptes pas. Voilà. Tellement que quelqu'un peut me détester à Kolba, t'as la pas marteau qu'on a Kovo. Mais à Bosané que Tata n'en a pas acquis Kovo. Voilà la haine quand on perd la foi. Donc voilà, bah, jeune. Prenez conscience de vos responsabilités. Tata n'en a l'oba qui n'en a que banana et bozali. Je vous le dis souvent. Et vous êtes là. Mais bon, m'y ébite. Tout bon, m'y ébakate. Raison pour laquelle, bon, tatonata. Mais n'a n'a yébi. Voilà. Souci n'a n'a yé. On est là pour entretenir votre foi pour que vous puissiez rester. Banana tatonana. Voilà quel est mon souci au jour le jour.
Voilà. Que je ne veux pas dire hein, que Père pardonne pas Blanchard car il ne sait pas ce qu'il fait. Je ne veux pas le dire. Parce que je veux que Père Blanchard attique à la moine à Tatanangaï. Que Maman Léonie attique à la moine à Tatanangaï. Que Brandon, que tous qui êtes connectés et ceux qui ne sont pas là. Botique à la banne à Tatanangaï. Donc, le long mardi, n'a plus soit jeune. Sorti à confinement, yo. Que l'obi tokokako se retrouver. Qu'il y ait cette constance que tous à la vraiment. C'est vrai que ma réalité, ming, y a potom tekoko sala que par moment. Tous ne puissaient pas venir à l'Ujiki. Mais voilà, les projets déjà que vous mettez en place, que ce ne soit pas juste cette crise sanitaire qui fait que bon, on s'ennuie. Si Kato, Betarama Solo, il y a Ujiki ou bien des projets. Non, non. Concrétisons ces projets-là. Concrétisons. Que ma papa batoua ma boko na bango. Pour être ton papa colombe. En tout cas, c'est vrai, je. Na maye la mondele na zo mona papa Diouf na mona ekala lelo na bonzoto mondele mayele na etala mayele a quand nous tokokoma na ba niveau wana voilà comme na ba mama Claudine Boye mais moi par contre voir ma tête bon bon c'est la tête sous qui a pende à moi été. Donc, je vous aime. Et c'est mon anglais, ils ont dit que ça l'en a bino. Que vous, les jeunes, comme je dis, que vous puissiez rester dans cette constance-là. Que vous allez ban et abattre la biso. Pour le bâtir que la biso responsabilité la bino. Ce n'est pas facile. Parce que ceux qui t'ont offert, on m'a pas embatté ton demi qu'on gardait du Cameroun. Yangwana mukide koko ilinga bisote. Mais bino bolingi biso po bate, pesa meli moutou batonyo so toute ba linga biso. Donc voilà ma jeune. Donc dimanche toko solo na biso, mardi prochain toko zala. Zamba pesa biso ye koki, po ete tobi mana crise sanitaire ou yo. Et puis toko kako kouta na to reprendre ba activité na biso. Encore une fois, merci de cette opportunité au Bopé Sibiso pour être solo dans la Bino. Nassou qui s'y voit dans la combat, t'as tapé à moi, n'a pas mon nom au centre. Amen.